Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour, bienvenue à notre présentation Facebook d'aujourd'hui. Je remercie tous ceux qui se connectent pour suivre cette présentation d'aujourd'hui. C'est une conversation 101, comme nous avons commencé depuis le début. Et aujourd'hui, nous recevons Monsieur Serge Hervé Nyonga. Serge Hervé Nyonga est connu de toutes les personnes qui ont un compte Facebook, qui sont camerounais ou africains, je dirais même mondiaux, parce que c'est une personnalité camerounaise qui éduque énormément les Camerounais, hein, et les amène à la réflexion critique à travers les posts Facebook. Mais au-delà de ça, c'est également un expert sur les questions de tourisme, d'hôtellerie et de tout ce qui est les activités loisirs, de la conception à la réalisation. Et aujourd'hui, nous avons plaisir de l'avoir avec nous parce qu'il va nous apporter son éclairage sur la question de savoir pourquoi est-ce que le tourisme culturel ne découle pas dans la région de l'Ouest et comment est-ce qu'on pourrait, ou dans le territoire des Grassfields plus précisément, qui est différent de la région de l'Ouest, et comment on pourrait faire pour faire découler le tourisme culturel à cet endroit. Je vais l'introduire, je vais le faire entrer en studio et nous allons tout de suite commencer notre conversation. Bonjour, Monsieur Serge Hervé Nyonga. Bonjour Élisée, bonjour à tous ceux qui nous suivent. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'avoir sacrifié une partie de ton emploi du temps très chargé pour cet échange. En vue d'éclairer les gens sur les questions de tourisme dans les territoires des Grassfields. Et si je te demandais de te présenter, parce que ceux qui te connaissent comme moi et d'autres te connaissent plus, c'est-à-dire que quand on dit Nyonga au Cameroun, on sait que c'est un nom qui pèse, parce que voilà, le père Jules-Frédéric Nyonga a été entraîneur de l'équipe nationale de football du Cameroun, qui est quand même une équipe de renommée mondiale et internationale. Maintenant, si on enlève le père Jules et qu'on dit maintenant Serge, qui est Serge pour que nos spectateurs, nos téléspectateurs puissent être mieux informés, éclairés sur ta personne? Voilà, un instant, on a quelques petits soucis, mais ça va revenir. Voilà, Tu m'entends? je t'entends, oui, je t'entends. En fait, la liaison est très mauvaise. Hein? Bon, on va croiser les doigts pour que ça se passe bien. Je ne suis pas Vraiment. sûr d'avoir très bien compris la première La question. question, c'était quand on dit Nyonga, tous les Camerounais pensent immédiatement au père Jules Nyonga, parce qu'il a été l'entraîneur de l'équipe nationale du Cameroun, qui n'est pas quand même n'importe quelle équipe dans le football au monde. Maintenant, si j'enlève le père Jules, je dis Serge. Qui est Serge, le fils maintenant? Que tu te présentes pour nous, pour ceux qui nous regardent. Ben voilà, écoute, Élisée, je suis Serge Hervé Nyonga, comme tu l'as dit. Je suis, comme tu l'as dit, Camerounais. Je suis, ce que tu n'as pas dit, originaire des grands Grassfields, de la partie anglophone des Grassfields. Par la profession, je suis ingénieur de gestion appliquée à l'hôtellerie et au tourisme. En quoi est-ce que ça consiste un peu? Je travaille, j'ai un petit cabinet qui s'occupe, qui fait de l'ingénierie hôtelière et touristique. Je travaille avec des opérateurs privés je les accompagne dans la réalisation de leurs projets quand ils veulent investir. Quand ils ont déjà investi dans le cadre d'un établissement hôtelier, je travaille sur des plans d'audit structurels, je travaille sur des modules de formation, de remise à niveau, je travaille sur des stratégies de communication et de mise en place de produits. Pour ce qui concerne le tourisme, je travaille avec des agences de tourisme, avec des collectivités décentralisées dans la formulation de stratégies de développement du tourisme. En gros, c'est ce que je fais, c'est ce que je suis. Ok, merci beaucoup. Et maintenant, aujourd'hui, nous souhaitions parler du tourisme dans le territoire des Grassfields, parce qu'on sait que il y a des siècles, c'était un ensemble homogène, mais qui a subi des mutations. Comme tu l'as dit toi-même, tu es la partie anglophone.
parce qu'après la colonisation a fait qu'il y a eu un espace anglophone et francophone, il y a eu des unités administratives. Et pourtant, quand on parle de tourisme culturel, on peut envisager le tourisme dans cet espace. Comment définirais-tu les Grassfields? Et est-ce que tu penses qu'un tourisme culturel dans cet ensemble plus vaste est possible? Il y a des petites coupures, hein, mais ce que des éléments que je ressors de la question, ce que j'ai cru comprendre, c'était la perception que je pouvais avoir, hein, de comment peut être développé le tourisme culturel dans les Grassfields. En premier élément de réponse, je souhaiterais quand même m'attarder sur l'aspect spatial qu'on vient d'appeler Highlands ou Grassfields ou Hauteur, hein, pour certains. Bon, si on ne s'en tient qu'à la nomenclature administrative, on serait tenté de s'y conscrire, hein, et même dans l'imagerie populaire, de s'y conscrire l'espace dit Grassfield aux seules régions de l'Ouest et du Nord-Ouest. Ce qui, à mon sens, est un peu inexact, parce que pour peu qu'on aille un peu dans le Mungo ou bien dans le Nkam, ou pour peu qu'on aille dans le Lebialem, on se rend bien compte que les Grassfields s'étendent un peu jusqu'à là-bas. Dans le Lebialem, par exemple, dans la région du Sud-Ouest, c'est le Tchang qu'on parle. On est vraiment, vraiment dans cette configuration. Quand vous allez dans le Nkam, il y a une bonne partie du Nkam qui est Grassfield. Quand vous allez dans le Mungo, il y a une bonne partie dans le Mungo qui est Grassfield. Donc, pour les besoins d'appréhension, de meilleure compréhension du sujet qu'on va aborder, qui est celui du développement du tourisme dans les Grassfield, il faudrait qu'on casse ces barrières, qu'on sorte du carcan administratif. Qu'on regarde plutôt l'ensemble pluriculturel, l'ensemble sociologique pour pouvoir répondre à la préoccupation. Okay, d'accord. Comme deuxième élément de réponse, je dirais pour moi que les Grassfields, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, au-delà de la dimension géographique, il y a une dimension pluriculturelle. C'est important d'insister là-dessus parce que ça peut être un guide pour de développement touristique dans cette zone-là. Il y a dans cette zone, quand on est sorti de la circonscription administrative, il y a des proximités, il y a une forme d'osmose culturelle qui fait en sorte que on peut envisager effectivement un développement harmonieux. C'est une zone où, quoi qu'on dise, hein, le poids de la tradition est resté fort. On n'a qu'à faire un tour dans les chefferies traditionnelles pour s'en rendre compte. Voilà un instant. Bonjour Stevie. Serge Hervé va revenir. Donnez-nous un coup de main pour partager le direct, s'il vous plaît. Non, on va y arriver. On va y arriver. Vas-y, continue s'il te plaît, parce que les gens sont accrochés à tes lèvres. Oui, je disais donc les mutations administratives et finalement le temps, hein, dans les Grassfields ont quelque peu dilué les traits de caractère de ce qui faisait la force des Grassfields. Mais les chefferies traditionnelles et les sociétés secrètes qui régissent la vie dans ces communautés, là sont encore très très fortes, ce sont des réalités palpables, hein? Même si on peut déplorer quand même qu'il y a eu un assujettissement de ce pouvoir traditionnel au pouvoir administratif, et ce qui semble remettre en question ce qu'il est convenu de nommer les gardiens de la tradition. Mais en termes de développement touristique à vocation, on va dire purement culturelle, il y a matière à développer. Exact. Non, c'est très clair. Maintenant, tu sais que le ministère de tourisme a quand même fait du développement du tourisme dans les Grassfields une priorité. C'est-à-dire que quand on regarde une priorité, même par exemple au nord-ouest, sud-ouest, avant le début de la guerre, c'était vraiment un espace où le tourisme était constant. Maintenant, je connais pas, je suis pas un expert des questions de tourisme comme toi, mais je sais au moins une chose, c'est qu'il y a le tourisme de masse, ce qu'on voit les gens faire à Marbella, à Barcelone, tout ça. Et il y a le tourisme culturel, qui est ce que, par exemple, quand on visite le Mexique ou le Japon, c'est beaucoup culturel par là. Bon,
Si la région ne doit faire du tourisme culturel, comment est-ce que toi tu définis le tourisme culturel? Quelles sont les bases? Et entre le tourisme de masse et le tourisme culturel, est-ce que tu penses que le tourisme culturel présente un avantage pour la région de territoire des Grassfields? Ben, écoute, je souhaiterais qu'on commence par, afin que la discussion soit un peu plus fluide, que nous ayons la même compréhension des termes, hein, et puis des notions. Commençons par la définition du tourisme. Qu'est-ce que le tourisme est? Qu'est-ce qu'il n'est pas? Le tourisme, aujourd'hui, il faudrait l'appréhender comme étant une industrie qui regroupe beaucoup de corps de métier, hein, et qui génère des emplois directs, des emplois indirects et des emplois induits. Dans la définition communément admise, hein, il y a des marqueurs, il y a des déterminants importants qu'il convient de mettre en lumière, hein. On a la notion de déplacement, parce que le touriste, quoi qu'on dise, il se déplace d'un lieu à un autre, il part de son lieu de résidence à un autre lieu. Comme deuxième marqueur, nous avons la notion de motif, de raison du déplacement. Cela peut être pour des raisons professionnelles, d'agrément, de santé. Et comme troisième marqueur, il y a la notion de temps passé sur le lieu de visite. Bon, pour l'Organisation mondiale du tourisme, le touriste est celui qui part de son lieu de résidence, hein, habituel pour une autre localité dans laquelle il séjournera au moins 24 heures. Lorsque notre voyageur y passe moins de 24 heures, il y a une petite nuance qu'on apporte. On ne dit pas de lui qu'il est un touriste, on dit de lui qu'il est excursionniste. Bon, ce distinguo se fait plus pour des questions de statistiques, hein, mais dans l'absolu, c'est la même cible que nous touchons. Dans les deux cas, ce qu'on va noter, c'est qu'il y a quand même l'idée de déplacement, il y a l'idée des motifs, il y a l'idée de motivation qui pousse la personne à ce déplacement. Et ces marqueurs induisent la déclinaison d'un ensemble de prestations, mise en mouvement de cette personne, appelle à la mise en route d'un certain nombre de prestations. Pour se déplacer, il faut bien qu'il y ait le transport. Il faut, une fois qu'il s'est déplacé, une fois qu'il est sur place, il y a la restauration, il y a l'hébergement, il y a des animations. Et c'est la raison pour laquelle on parlait tout à l'heure d'industrie qui est faite de corps de métiers différents. Je ne sais pas si pour ceux qui nous suivent, j'ai préparé quelques petites diapositives. Est-ce qu'on peut regarder la première diapositive Oui, tout à fait. pour un tout Oui. petit peu le... Je vais partager l'écran. Est-ce qu'on voit l'antenne? Oui, on voit cette diapositive à l'antenne. Oui. Peut-être qu'il Voilà, faudrait passer voilà. en mode diaporama. OK, super. Bon, on va dire, hein, le tourisme en gros, je voudrais qu'on en parle. Bon, il faut dire qu'avec l'avènement de la COVID-19, l'activité a chuté, l'activité a connu beaucoup de problèmes. Mais je voudrais qu'on regarde quelques indications qui datent de 2019, c'est-à-dire juste un peu avant la COVID. Il faudrait comprendre que le tourisme, j'ai dit que c'était une industrie tout à l'heure, ça représente quand même 8,5% des exportations mondiales de biens et de services. Tu es mieux placé que moi pour savoir que c'est énorme comme chiffre, Exact. 8,5% des exportations mondiales de biens et de services. Le Exact. tourisme aujourd'hui, c'est 1,5 milliard de voyageurs à travers la planète, c'est-à-dire qu'il y a à peu près un quart de la population qui voyage. Exact, C'est exact. un emploi sur 10 dans le monde. Donc, ces chiffres sont importants à comprendre, à accepter, à cerner pour que nous saisissions un peu l'importance de ce que l'industrie du tourisme peut. Ça nous permet de comprendre un peu l'importance de cette industrie. Si on Exact. fait une répartition des visiteurs dans le monde, on va se rendre compte que sur 1 milliard et demi de voyageurs, il y a 131 millions de voyageurs rien que dans l'Amérique du Nord, 33 millions en Amérique du Sud, il y a 616 millions en En Europe, euros. Wow. il y a 58 millions de voyageurs en Afrique. Malheureusement, l'Afrique, c'est toujours la portion congrue. Il y a Vraiment. 54 millions de voyageurs au Moyen-Orient.
292 millions en Asie et 15,6 millions en Océanie. Ce sont des chiffres qui sont très, très importants. Maintenant, on a parlé de motivation tout à l'heure. C'est important qu'on s'attarde là-dessus parce que tout à l'heure, on parlera un peu de tourisme culturel. Il faut savoir qu'il y a dans 1 milliard et demi de personnes qui voyagent dans le monde, il y a 657 millions, c'est-à-dire à peu près 53% qui voyagent pour des motivations de loisirs, de vacances et de détente. C'est bien cette segmentation parce que ça permet, quand on est dans la logique de développement, de choisir des niches, en fait. Donc, Exact. 53% de personnes qui se déplacent dans le monde, dans le cadre du tourisme, se déplacent soit pour le loisir, soit pour les vacances, soit pour la détente. Il y a 333 millions d'habitants, c'est-à-dire de voyageurs, à peu près 27% de cette masse-là, c'est des déplacements familiaux, c'est des déplacements liés à la santé, c'est des déplacements liés à la religion. Quand on dit religion, c'est les pèlerinages, etc., etc. Exact, exact, exact. Et il y a 13% de ces voyageurs-là, c'est-à-dire 160 millions de personnes qui voyagent pour des raisons d'affaires. OK. 160 millions qui voyagent pour des raisons d'affaires. Quand on dit raisons d'affaires, c'est des conférences, c'est des séminaires, c'est tout ce qui tourne autour du monde des affaires. Et puis, il y a une frange non déterminée qui représente quand même 7% de cette masse-là, c'est-à-dire 85 millions de voyageurs. On est en droit quand même de se poser la question de savoir, hein, Élisée, et l'Afrique dans tout ça. On va Exact. dire que hein, malgré des chiffres qui sont certes faibles, l'Afrique reste quand même la zone où il y a le potentiel qui a plus de chances de se développer. Parce que la croissance de l'activité touristique, on va dire en Afrique, elle est très, 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 très importante. Une OK. fois ceci dit, hein, pour revenir à l'aspect du tourisme culturel dont on a fait allusion, on dira simplement que c'est la forme de tourisme dont le motif est la découverte des spécificités culturelles d'une zone. OK. Je vais peut-être reprendre, c'est la forme de tourisme dont le motif est la découverte des spécificités culturelles d'une zone. On peut D'accord. comprendre que la préoccupation pour beaucoup. Fais attention, peut-être tu as muté ton micro, hein. Vas-y, tu es Élisée? revenu. Ouais, ça va, c'est bon, Oui. vas-y, s'il te plaît. Je remets Oui, on notre a dit diapo à l'écran. intention. Non, pas. Non, on reste sur cette diapo. Je OK. disais que pour revenir à l'aspect du tourisme culturel, on dira simplement que c'est la forme de tourisme dont le motif est la découverte des spécificités culturelles d'une zone. Bon, on dira que la définition la plus complète qu'on peut appliquer au tourisme culturel, c'est de dire que c'est la forme de tourisme qui a pour but de découvrir le patrimoine culturel d'une région et par extension le mode de vie de ses habitants. D'accord. Sans aucun doute, hein, une très belle niche aujourd'hui. Et si on veut s'intéresser en termes de part de marché, ce que ça représente dans l'industrie du tourisme, il faut comprendre que le tourisme culturel à lui seul, c'est 20% de part de marché de toute l'industrie. Comme tu peux le OK. constater, OK. c'est une issue très, très, très importante. Maintenant, quand Oui, on se oui. pose la question de savoir quelle forme de tourisme est-ce qu'on peut développer dans les grassfields, ou bien quelle forme de tourisme on doit développer dans les grassfields, moi, je fais partie de ceux qui disent que tout simplement, il faut y développer le tourisme dans toutes les formes que le potentiel de la zone offre. J'irai plus loin en disant que c'est le tourisme culturel, on l'a montré, mais il faut aller au-delà du tourisme culturel. Il doit prendre une part prépondérante, peut-être, dans la stratégie de développement du tourisme qu'il faudrait mettre en place dans les grassfields. Mais il faut voir plus large. Et je voudrais qu'on parle de quand on veut parler de développement du tourisme dans les grassfields,
qu'on parle plutôt de développement de tourisme durable. Alors, on est en droit de se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on entend par... voilà, quelle est la différence que tu fais entre le tourisme durable et le tourisme culturel, alors? Donc, je ne sais pas si on peut, avoir la deuxième diapo qui, elle est là. Qui explique un peu plus ce que le tourisme durable. Voilà. Elle est là, elle est là. Je l'ai placée. Oh, tu m'entends? Oui, je t'entends bien. Elle a, j'ai mis le tourisme durable. Oui, je parlais de tourisme durable. Je disais que, en mon sens, au-delà du tourisme culturel, qui doit avoir une place prépondérante dans la stratégie à mettre en place pour le développement du tourisme dans les Grassfields, je serais un peu plus globalisant en disant qu'il faut développer le tourisme durable. Je vais expliquer un peu pourquoi. Et j'étais sur le point de d'expliquer ce que c'était déjà le tourisme durable. Je ne sais pas si tu as la diapo. Le diapo est là, tu dois le voir. Oui, il est là, le diapo 2 est là, tu dois le voir. OK, bon. Le tourisme durable, c'est simplement la forme de tourisme qui tient pleinement compte dans sa pratique et dans son processus de développement des impacts économiques, sociaux et environnementaux actuels et futurs. En répondant aux besoins des visiteurs, c'est très important parce que c'est eux qui sont la motivation principale pour laquelle on développe, c'est les visiteurs. En tenant en compte les professionnels de l'environnement et instant, je reviens, on revient. À tout style. Ça y est, tu es revenu. Vas-y, continue, je vais partager. Ok, est-ce qu'on a compris le ouais, non, je répète. Non, tu reprends, s'il te plaît. Oui, je parlais de tourisme durable. Je disais donc que c'est la forme de tourisme qui tient pleinement compte dans sa pratique et son processus de développement, qui tient compte des impacts économiques, des impacts sociaux et environnementaux actuels et futurs, en répondant, et ça c'est très important, en répondant aux besoins des visiteurs, en répondant aux besoins des professionnels et en répondant surtout aux besoins des communautés d'accueil. Ok, c'est bon, vrai. Une fois qu'on a dit ça, quand on parle de tourisme durable, on pourrait s'interroger sur le poids des impacts de ce tourisme durable. Mm-hmm. C'est très important de mettre en place une stratégie de développement de tourisme durable. Parce que quand on parle de l'impact environnemental, il faudrait qu'on évite le maximum de nuisances. Il est question qu'on travaille à la réduction de l'impact du tourisme sur l'environnement, qu'on travaille à la préservation des ressources naturelles et la gestion des déchets. On est sans ignorer que l'afflux Allô? Ouais, c'est bon. Oui, je disais qu'on n'est pas sans ignorer que l'afflux de touristes dans une zone peut avoir des répercussions sur l'environnement. Donc, on doit travailler à la réduction de l'impact touristique sur l'environnement. On doit travailler à la préservation des ressources naturelles et à la gestion des déchets. Il y a un impact social. C'est très important que, de façon positive, quand on parle d'impact positif du tourisme dans une communauté, il est important qu'il y ait le respect du patrimoine culturel et traditionnel local, ainsi que de ses communautés. Je voudrais peut-être insister là-dessus en prenant un exemple. Ce serait dommage que nous perdions un peu le sens et nos valeurs, que nous perdions un peu notre culture simplement parce qu'il y a des gens qui arrivent. Exact. Ce serait dommage qu'on perde notre personnalité simplement parce qu'il y a
flux de touristes. Donc, c'est très important dans le cadre de l'impact social, qui est le Oui. respect du patrimoine culturel et traditionnel local, ainsi que des communautés. Exact. C'est très important dans cet aspect d'impact social qu'on parle de gestion paritaire du territoire, c'est-à-dire que la question du développement du tourisme dans les Grassfields doit être une question qui concerne tout le monde. Quand on parle de gestion paritaire, ça concerne tout le monde. Il faut qu'il y ait l'intégration des locaux dans le développement du tourisme parce qu'on ne peut pas faire de développement sans impliquer les locaux. C'est eux les Oui. principaux acteurs. Il est Exact. très important qu'ils soient partie prenante à ce développement, qu'ils adhèrent aux stratégies, qu'ils adhèrent aux politiques qui sont mises en place. Et puis, il y a l'aspect, l'impact économique dont on a parlé. Il faut dire que ce développement du tourisme durable doit pouvoir garantir une activité économique viable sur le long terme. C'est très important, la question de développement viable sur le long terme. Et que ce qui est une rémunération équitable des acteurs locaux. S'il y a une rémunération équitable des acteurs locaux, il est évident que ça aura une incidence D'améliorer les conditions de vie sur... des populations locales. C'est très, très, très important de mentionner Exact. ceci. Donc, voilà un Exact. peu. Pour me résumer, c'est très bien, c'est même pertinent de penser qu'on doit pouvoir développer le tourisme culturel dans les Grassfields parce que ça, tout s'y prête pour le faire. Il y a une autre. C'est établi que c'est un territoire où la culture est très forte, mais il faut aller Exact. au-delà du tourisme culturel et penser en termes de tourisme durable, un tourisme responsable, un tourisme qui prend en compte les populations, parce que ces populations-là sont appelées à être les principaux acteurs de ce développement-là. Bon, maintenant, petite digression, on va dire, hein, je crois que tu es, si je ne m'abuse, tu es des Bamboutos. Il faut quand Je suis même qu'on se d'accord. dise que c'est une dans laquelle beaucoup de gens, il y a des expatriés qui y allaient pour pratiquer le delta plane à l'époque et pour OK. pratiquer la chasse aux canards sauvages. C'est donc dire Exact. que si on ferme simplement au tourisme culturel, il y a beaucoup d'opportunités que nous manquons. Organise par exemple la section du Mont Bamboutos. C'est une activité sportive, c'est une forme de tourisme. Donc, ne fermons pas, parlons de tourisme culturel et parlons de façon plus générale de tourisme durable. OK. Donc, en fait, il faut faire du tourisme durable et équitable, si j'ai bien compris. Je précise à tous ceux qui regardent le direct qu'à la fin, le PowerPoint sera disponible. On peut vous l'envoyer via Messenger pour ceux qui en font la demande, parce que j'ai vu des gens qui m'ont envoyé des messages sous. Il y a des personnes qui m'ont envoyé des messages sous Messenger pour demander ben, qu'en est-il du PowerPoint. Je précise que le PowerPoint sera disponible. À la demande, pour ceux qui en font la demande, pour ceux qui en font la demande, on va mettre le PowerPoint à leur disposition à la fin du direct. Donc, oui, Joseph Chindak Info, je dis que le PowerPoint sera disponible à la fin du direct. Donc, ceux qui en font la demande, je peux leur envoyer par WhatsApp ou bien par Messenger. Donc, ne vous inquiétez pas pour ça. On a été un peu coupé. Je n'ai pas très, très bien compris la question. Est-ce que tu peux la résumer, s'il te Non, plaît? je On a été posais pas une coupé. question, je faisais une précision parce qu'il y a des gens qui demandaient le PowerPoint. Et je leur expliquais que le PowerPoint sera disponible, le diapo, le fichier PowerPoint où il y a la présentation que tu as donnée, où il y a les diapositives, sera disponible, sera mis à la disposition de ceux qui regardent le OK. direct à la fin du direct. Hein. Donc, D'accord. je pense, non, je pense que tu as tout clarifié. Et maintenant, j'allais demander, une fois que tu as expliqué les concepts de tourisme, les concepts de tourisme de masse, les concepts de tourisme culturel, les concepts de tourisme durable et équitable, maintenant, selon toi, attends un instant, le temps que tu reviennes, je sais pas. Là, tu Ouais, m'entends? là, je t'entends, ouais. Là, je voulais poser ma quatrième question. J'allais dire que maintenant que tu as expliqué les concepts de tourisme de masse, de tourisme durable, de tourisme équitable, de tourisme culturel, tu as bien clarifié les concepts.
Bon, quel est selon toi le potentiel du tourisme culturel ou du tourisme durable, équitable dans le territoire des Gaspés? Je veux dire, quels sont les atouts? Quels sont les avantages compétitifs? Par exemple, quand on sait que c'est un territoire qui a une diaspora évaluée aujourd'hui à plus de 10 millions de personnes qui vivent à l'étranger, ça veut dire quand on regroupe les personnes qui ont fait des recherches et ont trouvé leurs racines, c'est-à-dire que ceux qui étaient partis à travers l'esclavage, quand on regroupe les personnes qui vivent hors de ces territoires mais qui en sont originaires, ou bien ceux qui ont émigré à l'étranger ou dans le continent africain, par exemple, ou dans le continent asiatique européen. Est-ce que ce sont des atouts, des avantages compétitifs? Maintenant, autre chose, est-ce que le tourisme peut être une activité économique viable, c'est-à-dire que qui peut créer des richesses, générer des emplois, amener des devises pour les communes ou l'économie locale, mais également remettre les chefferies locales dans le rôle qu'elles ont joué en avant, ça veut dire que dans le rôle de économique qu'elles avaient avant. Qu'est-ce que toi tu en penses? Ben, j'espère que j'ai bien compris la question, mais je crois qu'on a coutume de C'est la penser question que... 4, c'est la quatrième question en fait. Oui, je crois qu'on a coutume de penser... Un instant, s'il vous plaît. On a des interruptions. Ça va revenir assez rapidement. Serge va revenir. Donc, il va se reconnecter. C'est pas facile. Voilà, il est là. Donc, on a été coupé, mais j'ai compris la question, hein. Je dis, on a coutume de penser que le potentiel lui seul suffit pour qu'il y ait une activité touristique. C'est en effet loin d'être le cas. Est-ce qu'il a un potentiel économique? On va dire oui, sans hésitation, hein. La nature a été très généreuse, hein. La culture des Grassfields est une richesse qui gagnerait à être mieux mise en évidence par le tourisme aussi. Dans la logique de tourisme durable, les Grassfields, comme je le disais tout à l'heure, offrent une panoplie d'opportunités de développement au-delà du tourisme culturel. C'est très important de le dire. J'ai parlé quand je titillais un peu en parlant de Bambutos, du tourisme qu'on peut y pratiquer. On a regardé les statistiques mondiales tout à l'heure. Un instant, voilà. Ouais, c'est Oui, bon, c'est en bon, c'est fait, bon. Elisa, la vraie équation est la suivante, hein. Comment est-ce que le tourisme est perçu par les décideurs locaux et les populations? Comment est-ce que le tourisme est appréhendé par ceux qui sont supposés l'animer? Quand je parle de ceux qui sont supposés l'animer, ce sont les opérateurs du secteur. Parce que tout le problème réside là, en fait. Pour être une activité économique viable, il y a des prérequis. On ne peut pas parler de développement de tourisme s'il n'y a pas une vision d'ensemble, s'il n'y a pas un plan de développement qui s'appuie sur des projets de plusieurs niveaux. Une bonne politique de développement avec des projets pertinents rapporte automatiquement des devises étrangères. Exact. Et contrairement à ce qu'on peut penser, ça peut produire des revenus substantiels au niveau local. La clientèle domestique, en réalité, est plus importante, elle assure des revenus constants. J'ai cru comprendre un peu dans la question aussi tout à l'heure, je crois que tu as évoqué, et je n'ai pas bien compris, un peu le rôle de la diaspora. Peut-être Ouais, ça veut dire on que reviendra j'étais là-dessus. en train de, je peux clarifier bien ce que j'avais dit. Ça veut dire que quand on regarde la région de l'Ouest, avec les statistiques disponibles ici, sa diaspora, c'est 20 millions, plus de 20 millions de personnes. J'explique bien ce qu'on entend par diaspora. Ça veut dire que quand on regarde les anciennes cartes, il y avait beaucoup. Ouais, un instant. Et tant que c'est, j'ai vu se connecter. Voilà, on est revenu, hein. Là, tu m'entends? Ah, tu m'entends? Ouais, je t'entends Oui, bien. je Je t'entends t'entends. parfaitement bien.
Ouais. Je disais que quand on regarde les territoires des Grâces plus particulièrement, on a des gens qui sont beaucoup partis à travers l'esclavage. On en a qui ont beaucoup émigré parce que très tôt, les hommes Bansor, toutes ces zones-là avaient déjà des relations avec les Allemands. Donc beaucoup ont émigré en Allemagne, en Europe, dans l'époque. Beaucoup ont émigré en Angleterre. Avant, hein, je parle avant 1900, je parle dans des années 1800, bien avant. Et donc, ceux qui ont immigré à travers l'esclavage font des recherches aux États-Unis, dans la Caraïbe, en Amérique latine, et ils retrouvent leurs origines. Ceux qui ont immigré dans les années 1800, dans la Prusse, la Grande Prusse, ont fait des recherches et retrouvent leurs origines. Voilà, j'attends un peu. Soyez un peu patient. On est coupé des fois. Voilà. Wow, c'est pénible, hein? Voilà, c'est bon. Oh non, c'est bon, c'est bon. On va y arriver. On va y arriver. Ouais, et comme je disais, il y a ceux qui sont partis par l'esclavage. Il y a ceux qui ont émigré du fait des échanges commerciaux au XVIIe siècle jusqu'au XVIIIe. Il y a ceux qui sont partis, les immigrants des années 60 jusqu'à aujourd'hui. Il y a les enfants que les migrants ont fait à l'étranger, leurs descendants, tout ça. Cette population-là est chiffrée aujourd'hui à plus de 20. Oui. Oui, je t'entends bien. Mais moi, Je t'entends. il y a beaucoup de coupures. Oui, C'est-à-dire hélas. que le débit est haché. Je te vois à l'image, de temps en temps, l'image part. De temps en temps, c'est le son qui part. Donc, Aïe, aïe, aïe. je n'ai pas bien saisi la question, en fait. Je disais là, je peux. Là, tu m'entends bien. J'ai cru comprendre que tu parlais des obstacles au développement, c'est ça? Non, non, non. Je disais que hein, je parlais en termes de potentiel. Ça veut dire que quand on. Yeah, on va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. On va y arriver, on va y arriver. On croise les doigts. On croise les doigts. Voilà. Là, je ne sais pas si tu m'entends bien. Allô? Allô? Ouais, là je t'entends parfaitement. Je disais que quand on regarde, parce que on regarde les personnes qui peuvent être intéressées par le tourisme culturel, les Grassfields, pris dans l'ensemble, ont connu une forte émigration. D'abord des gens qui sont partis par l'esclavage. En plus, ceux qui sont partis quand les Allemands sont arrivés. Aïe. Ah, Dieu. Ouais, on va se battre. Ça va, on va y aller. On va y arriver. Est-ce que bon, voilà ce Ouais. que je te propose, n'est-ce pas? Comme je n'ai pas bien compris, j'ai pu vraiment survivre et c'est. Le deuxième volet de ma question 4, en fait, que je suis en train de poser. Allô? Ouais. Question 5, la cinquième Quatre. question. Quatre, deuxième volet. Allô? Ouais, 4, la question 4, la dernière partie. La dernière partie, la question 4. Oui. Je crois, on a parlé on se posait la question de savoir si le tourisme peut être une activité économique viable. Ouais. Une Ouais, activité ouais, ouais. créatrice de.
Ah ouais. Une activité qui générerait éventuellement des devises étrangères pour les communes et les chefferies locales. OK. Allons-y à la question 5. En gros, c'est-à-dire que quels sont les principaux obstacles au développement du tourisme? Quel est le déficit en termes d'hébergement, de restauration, les moyens de transport, les sites touristiques aménagés? Si tu peux répondre à la question 5. Est-ce que je... Tu m'entends? Je t'entends, mais la question, vraiment, vraiment, je suis désolé, mais c'est tellement haché. La question 5, la question 5. La question 5. Allô, Ouais, écoutez. ouais, ouais. Oh, La c'est question... vraiment La, galère. Je suis non, vraiment, c'est vraiment vraiment désolé, galère, mais... ouais. La question 5. Mais si tu peux répondre à la question 5, ce serait bien. J'ai déjà précisé la question pour les, pour nos auditeurs. La Est-ce qu'il y a question... moyen que tu... Il y a moyen que tu saisisses la question, comme ça je réponds. Est-ce que c'est possible? Ouais, ok, je te la, je t'envoie comment? WhatsApp Messenger. S'il te plaît, ou même par WhatsApp, si tu veux, tu saisis la question, ou D'accord. même en bas, même sur ici, tu peux saisir la question. Ah, ici Comme ça, je sur, peux. ok, d'accord. Ici sur, dans notre fil d'actualité. Oui. D'accord. Je l'envoie là, donc Alors, si je lis bien la question, c'est quels sont les principaux obstacles au développement du tourisme dans les Grassi? Est-ce le déficit d'entreprises dans l'hébergement et la restauration? Est-ce la vétusté des moyens de transport et des routes qui réduit la mobilité des touristes? Est-ce le fait que les sites touristiques ne sont pas aménagés? Quelle stratégie proposerez-vous aux décideurs pour surmonter ces obstacles? Bah, écoute, Élisée, je dirais que la question en elle-même apporte beaucoup d'éléments de réponse, hein. Là, on a mis le doigt sur ce qui constitue, bon, bah, ce n'est pas propre à la région de Grassouille, ce qui constitue le ventre mou du développement touristique en Afrique même, de manière générale. On a évoqué la question de l'hébergement et de la restauration. C'est un vrai problème. Ça, il faut qu'on se le dise, hein. Si on peut, dans les Grassfields, se féliciter de l'accroissement numérique de la capacité d'accueil, ça c'est ça, il faut quand même, quand les choses sont bien, il faut le dire, il y a eu un Okay. accroissement de la capacité d'accueil, on peut s'en féliciter, mais force est de constater qu'il y a quand même un très gros problème de normes. Le rapport qualité-prix est, n'ayons pas peur des mots, des plus médiocres. Bon, ce n'est pas propre aux Grassfields. Regardons ça pour cette question précise-là à tout le Cameroun. Nous avons l'un des pires rapports qualité-prix des pays qui ont la prétention d'être destination touristique en Afrique. Okay. On a évoqué aussi la question des infrastructures routières.
Ce n'est un secret pour personne, nos routes sont accidentogènes. C'est-à-dire qu'il ne se passe pas un jour sans qu'on apprenne que sur tel ou tel axe, il y a eu un accident qui a causé beaucoup de morts. Et ce n'est pas simplement propre à route, c'est aussi propre à la qualité même du matériel roulant, à l'incivisme des opérateurs de ces secteurs-là. Pour un touriste qui voyage, il a besoin d'un minimum de confort, il a besoin d'un minimum de sécurité. Or, quand on regarde comment est-ce qu'on voyage dans les bus, c'est déplorable. C'est des surcharges, l'inconfort est total. À la réalité, pour le touriste, ce n'est pas encourageant. De penser qu'on va prendre le bus pour aller dans une localité, quand ça devient une contrainte, c'est un frein. Exact. Pour ce qui concerne les sites touristiques, il y a certainement des choses à dire, hein, quant à leur aménagement. Comment est-ce qu'on y accède? Il y a de très beaux sites. Comment on fait pour y arriver? Et puis, quelles sont les modalités que les administrations ont mises en place pour pouvoir octroyer des concessions et d'exploitation? Ça renvoie à la législation. Est-ce que nous avons une législation qui est claire? Qui favorise en fait le développement de nos sites. C'est-à-dire que si toi, Élisée, aujourd'hui, tu as localisé un site, est-ce que les conditions sont claires? Est-ce que la législation est claire? Est-ce qu'elle te donne les moyens de viabiliser ce site-là? Et puis, une fois que c'est viabilisé, puisqu'on parle de développement durable, on parle de développement local, qui va gérer? Quelle est l'implication de la collectivité? Où ce site-là est? Qu'est-ce qu'elle va gagner là-dedans? Donc, c'est autant de questions. Donc, à ce stade-là, proposer une stratégie aux décideurs consisterait, à mon sens, hein, à revenir aux fondamentaux. Il faut qu'on soit sérieux. Il est très important que nos décideurs comprennent ce que c'est que le tourisme. Dans notre introduction tout à l'heure, on a montré un peu le poids du tourisme, on a montré ce que ça représente en termes de revenus. Si nos décideurs ne le comprennent pas, eux, on ne parlera pas de développement de tourisme. Non seulement il faudrait qu'ils le comprennent en tant que décideurs, il faut aussi que nos collectifs, nos communautés comprennent ce que c'est que le tourisme et comprennent les enjeux qu'il y a dans le développement du tourisme. Comprennent que par le développement du tourisme, il peut y avoir une amélioration de vie. Donc, en gros, une fois que le préalable de la est rempli, les décideurs locaux maintenant, de manière participative, réfléchir à des projets de développement. Mais ces projets de développement doivent être réalistes sur des données fiables. Et c'est pour ça qu'il est très important que des inventaires de l'existant soient réalisés. Il faut qu'on sache dans chaque localité. Qu'est-ce qu'il y a à disposition en termes de sites? Qu'est-ce qu'il y a à disposition en termes d'infrastructures? Qu'est-ce qu'il y a à disposition en termes de savoir-faire? C'est tout ça, c'est tout ce travail d'inventaire-là qui doit être fait. Et il y a une forme d'ordonnancement hiérarchique dans la prise de décision qu'on doit mettre en place pour pouvoir formuler les stratégies de développement. Mais maintenant, il faut. Une fois que ces stratégies sont formulées et qu'on veut aller en marché, il faut qu'on parle de la compétitivité. Il faudrait que nous soyons compétitifs. Exact. Or, je ne crois pas que ce soit la chose la mieux partagée aujourd'hui quand on parle de compétitivité. Essayons de nous intéresser aux critères de compétitivité et regardons-les un peu les uns après les autres pour mesurer le gap qu'il y a. Pour mesurer les efforts que nous avons à faire, que nos décideurs ont à faire pour que nous commencions à parler de développement du tourisme dans les grasses fines. Il y a la question de la sécurité. Élisée, est-ce qu'on se sent en sécurité aujourd'hui au Cameroun, dans les grasses fines? Malheureusement, non. Dans les grasses fines aujourd'hui, on ne Hélas, peut pas parler de hélas, sécurité. Fines, hélas. il y a la crise du Nosso qui est là pour plomber le développement du tourisme. On ne peut pas Exact. fermer les yeux là-dessus. Exact. Il y a la santé et l'hygiène comme critère. Est-ce qu'en termes de santé, aujourd'hui, on se sent rassuré? Sortons même du cadre de la COVID-19. Il y a des problèmes à ce niveau-là.
Exact. On parle d'ouverture sur l'étranger. Je ne voudrais même pas parler de l'ouverture physique liée au fait de l'enclavement, parce qu'à la réalité, il y a une liaison directe aujourd'hui avec le Nigeria. Je crois que. Exact. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Exact. Et sans ignorer que le Nigeria, c'est énorme pour le tourisme de grâce fait. Exact. Exact. Il y a la valorisation des ressources naturelles. Est-ce que, à la réalité, nous valorisons nos ressources naturelles? Il y a la question de l'environnement durable. Quand on va dans nos localités, dans nos villes, dans nos campagnes, dans les grasses fuites, est-ce qu'on a l'impression qu'il y a une attention particulière qui est mise sur la préservation de l'environnement? Je ne crois pas. Il y a la question des ressources culturelles. C'est vrai qu'il y a un effort qui est fait. Il ne faut pas qu'on ne le dise pas. Il y a un effort qui est fait pour que la culture soit préservée, que les cultures soient préservées, qu'elles soient vulgarisées. C'est pour ça qu'il y a une prolifération de festivals. Il y a de plus en plus dans les villages cette volonté de mettre en place ce qu'on appelle des cases patrimoniales pour que les gens puissent venir apprendre, en fait, puissent prendre conscience de ce que la culture de ces régions-là apporte. Mais est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'il ne faudrait pas plus travailler là-dessus? Je n'évoque même pas la question de marketing touristique, parce que pour qu'il y ait marketing touristique, il faudrait qu'il y ait un produit. Pour le Exact. moment, nous sommes encore dans le diffus. C'est tellement diffus que ce côté, il vaudrait mieux le laisser de côté. Laissons de côté le niveau de prix. On l'a évoqué un tout petit peu quand on parlait de la question de l'hôtellerie, pour dire que nous avions des pires rapports qualité-prix. Et puis, il y a une question épineuse, la question des ressources humaines qualifiées. Est-ce que nous avons la ressource humaine aujourd'hui pour pouvoir conduire un développement efficient du tourisme dans les grasses fuites? C'est autant de questions. Parce que quand on va parler de ressources humaines qualifiées, c'est des ressources en planification, c'est des ressources en gestion, c'est des ressources en marketing. C'est tellement complexe cette question-là. Et puis on a aussi évoqué les infrastructures routières et aéroportuaires. Moi, Aéroportuaire. je suis toujours choqué de savoir que c'est l'une des aires géographiques la mieux lotie en termes de plateforme aéroportuaire. Quand vous avez Bakustan, vous avez Koutaba, vous avez Bamenda, Bamenda. à l'époque, vous avez eu Tchamp. Grand Exact. Dieu, c'est ordinaire ce qu'on aurait pu faire. Mais Exact, quand on exact. pense que la plateforme de Koutaba est tombée en désuétude et ne sert plus que de base navale, quand on pense que Bamenda est sous-utilisée, même avant la crise du Nosso, Élisée, j'ai plaisir, et je le dis avec un pincement au cœur aussi, c'est comme on dit, mixed feeling, j'ai plaisir à dire aux gens qu'il y a 40 ans, à la fin des années 70, début des années 80, mes parents à l'époque étaient fonctionnaires et travaillaient dans le Grand Nord. J'ai plaisir à dire aux gens que pendant les vacances, on prenait l'avion à Garoua, on faisait, si je pèse bien mes mots, une correspondance à Yaoundé, on changeait d'avion et on allait atterrir à Balignonga dans mon village. Et ça, c'était avec Camair. Je parle des réalités d'il y a 40 ans. Il faudrait qu'on s'arrête à un moment. Et qu'on réalise un peu le recul qu'il y a eu. Si on veut parler de développement pour demain, let us do a kind of assessment of what we had before. Exactly. C'est très, Exactly. très important. C'est très, Exactly. très important. Donc, on vient de regarder, on parle de compétitivité. Quand on a listé tous ces critères-là, on se rend compte que la tâche, elle est énorme. On se rend compte que le travail à abattre est énorme. Mais bon, est-ce qu'il faut qu'on baisse les bras? Non, je ne pense pas. Non, Nous avons non. les moyens d'évoquer ça. Ça permet d'évaluer le travail qu'il y a à faire. Il Exact. est peut-être titanesque, mais ce travail-là est réalisable. Hein, pour peu que les décideurs locaux acceptent le challenge et jouent pleinement le jeu du développement. C'est Exact. très, très important. Bah, je crois que c'est ce qu'on peut dire sur la question. Wow, super.
Franchement, merci pour ton éclairage, hein, mon frère. Ça, là, vraiment, c'est là, on est en train de faire quelque chose de vraiment d'exceptionnel, franchement. Hein, je vais poster la question suivante. S'il te Je plaît. vais poster la question suivante. Aubin von Jazik, il faut te taire. Voilà, je pose la question suivante. Ça va s'afficher. Je pense que tu l'as à l'écran. Quels sont les atouts, les avantages comparatifs du territoire des Gracies dans le secteur du tourisme culturel? Est-ce que la diaspora vivant dans les pays industrialisés, est-ce que c'est les populations vivant en zone urbaine, est-ce que c'est la gastronomie, est-ce que c'est l'attachement des populations aux coutumes locales? Existe selon toi un avantage comparatif? C'est important parce que à partir du moment où tu as décrit tout ce qu'il faut faire pour être compétitif, si on s'arrête seulement à ça, c'est pas la peine parce qu'on n'y est pas. Mais peut-être que l'avantage comparatif peut nous motiver encore. Alors, qu'est-ce que tu penses C'est qu'on a un clair. avantage? Bon, je veux dire, hein, Olivier, si on reste dans le cadre du tourisme culturel, les Grassfields ont des atouts indéniables. On l'a dit tout à l'heure, hein, il y a le côté vivace des usages, des coutumes, qui à eux seuls sont une niche. Et les Grassfields ont une diaspora, quoi qu'on dise, qui est très attachée à ses racines et qui peut être capable de constater. Qui peut être capable de se constituer en investisseur, puis en consommateur du produit. Ça, c'est très, très, très important. Bon, maintenant, personnellement, je ne parlerai pas encore d'avantages compétitifs, dans la mesure où tout est encore embryonnaire et que la priorité est à la formulation de véritables plans de développement qui doivent être appuyés sur des stratégies de mise en œuvre pertinentes. Je crois qu'on l'a dit tout à l'heure. Je dirais aussi que si mon avis était requis, je conseillerais de développer toutes les formes de tourisme que le Grassfield permet. Disons-nous une chose, hein, c'est peut-être le tourisme, c'est peut-être des attractions naturelles, les montagnes, les plans d'eau, c'est des attractions culturelles. Nous avons nos chefferies traditionnelles, il y a de plus en plus des musées, il y a des cases patrimoniales, il y a la gastronomie, il y a des festivals. Mais le tourisme, c'est aussi des attractions artificielles, hein, qui peuvent générer beaucoup de revenus. Et je voudrais qu'on s'arrête un peu là-dessus parce qu'il y a un exemple qui m'a frappé, qui n'est pas très très loin de nous, qui est de Grassfield, mais qui est dans un pays à côté, qui est le Nigeria. Je ne sais pas si tu as entendu parler du Tinalpa Project dans l'état de Cross River au Nigeria. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose. Non, pas encore. En fait, c'est un mélange, hein, de parcs d'attractions. Tu es aux États-Unis, tu sais ce que c'est qu'un parc d'attractions. C'est un mélange de parcs d'attractions avec des structures d'hébergement au standard international, des duty-free shops, un conference center. Grand Dieu, c'est un site qui attire des millions de personnes. Exact, Et exact. je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on n'envisagerait pas dans les Grassfields. On a parlé Exact. des plateformes aéroportuaires tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on est capable de faire venir des gens par ces plateformes aéroportuaires. Exact. Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas une ville comme Bagante qui deviendrait Et, alors et, et une même, université de niveau et premier? même, je te coupe pas, et même portuaire, parce que j'ai une carte, je vais projeter la carte prochainement, les gens vont voir beaucoup de choses. Une carte que j'ai retrouvée ici aux États-Unis, tous les territoires là sont interconnectés de manière fluviale, pas des rivières. Simplement, on a Oui. dressé Tout à la fait. carte des rivières et on a fait un effort d'organiser la navigation fluviale, même avec les Bien bateaux que les sûr. Américains font ici, le 10 places, etc. Si on avait fait cet effort, Bien il y sûr. aurait beaucoup de transports de personnes et de marchandises, middle scale, comme on dit, c'est-à-dire qu'un navire qui pourrait prendre l'équivalent d'un conteneur, en fait, qui est comme un camion, ça pourrait circuler sur les eaux et il y aurait beaucoup de. C'est ce qu'on voit ici aux États-Unis. Bien sûr, bien sûr. Il y a tellement de choses à développer, hein. Moi, je crois que le plus important, c'est la prise de conscience que nous devons faire sur le potentiel réel que nous avons et les opportunités que peuvent suggérer le potentiel que nous avons.
Une fois que cette prise de conscience est faite, notamment par les décideurs locaux, ensuite par les populations qui sont les principaux acteurs de ce développement-là, on peut commencer à envisager des choses. Et c'est bien de parler de la diaspora parce que on peut penser qu'elle peut aussi avoir un rôle pédagogique au-delà du rôle d'investisseur. À partir du moment où la diaspora se saisit, s'approprie la problématique de développement, par exemple, du tourisme dans les Grassfields, beaucoup de choses peuvent être faites. Elle peut intervenir dans l'investissement, certes, mais à partir du moment où elle consomme, elle vient, elle participe à la création d'une culture de consommation de produits et de services touristiques. Ça. Okay? Donc, les populations, même locales, commencent à s'imprégner de cette culture-là et c'est comme ça qu'on met en place le développement. Exact, tout à fait, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Non, tout à fait, là je suis d'accord. Et maintenant, qu'est-ce que tu penses de la gastronomie, par exemple? La gastronomie. Parce que j'ai jamais compris. Moi, tu sais, il y a très, 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 très longtemps, quand je suis entré à l'école hôtelière à Toulouse, mon Dieu, ça date, hein, ça fait plus de siècles, le professeur de technologie culinaire nous parlait il disait que pour ceux qui avaient fui la chimie et les mathématiques ou bien les sciences pour entrer dans la cuisine, ben, il faudrait qu'ils ne viennent pas à l'hôtelière. Et il disait qu'il y a beaucoup de chimie. Alors, je m'étais amusé à lui dire, écoutez, vous n'inventez rien. Chez moi, dans les Grassfields, il y a ce qu'on appelle le hachou soup, la sauce de taro. Il me disait, c'était quoi et qu'est-ce qu'elle a de particulier? Je lui ai dit, je crois que c'est peut-être le seul plat au monde C'est la où chimie. nos mamans ont réussi, oui, où nos mamans ont réussi à faire une émulsion stable entre de l'huile de palme et de l'eau. En fait, pour dire que à la réalité, c'est un patrimoine culinaire des Grassfields extraordinaire. Maintenant, le véritable problème est le suivant. Est-ce qu'il est comme tout ce que nous avons comme patrimoine culinaire au Cameroun? Est-ce que nous l'avons codifié? Non. Il faut que nous réussissions à le codifier. Pour le rendre, pour pouvoir le vendre à l'international, il faut qu'il soit codifié. Quand il sera codifié, et pour la codification, il faut faire quoi? La question de l'inventaire se pose toujours. Il faut faire un inventaire culinaire des Grassfields. Qu'est-ce que nous avons comme épices? Qu'est-ce que nous avons comme recettes? Comment est-ce que ces recettes-là sont formulées? On les codifie. À ce moment-là, on peut les vendre. C'est bien de se vanter, nous, parce que nous connaissons notre gastronomie. C'est bien de se dire que ah, le congrès de chèvre est extraordinaire. C'est bien, nous, on le connaît. Mais quand un Français vous montre sa gastronomie, il ne vous dit pas telle chose, c'est simplement bien. Il vous renvoie à une recette qui est présente dans un livre de cuisine où les éléments sont listés, sont connus. Donc, voilà le travail qu'il y a à faire. C'est-à-dire que et c'est très, très important. Et je suis content que tu aies évoqué la question Oui, parce que je te prends un exemple. Regarde, je vis en Amérique. L'Amérique n'a pas une cuisine formidable. Ah, du tout, du tout. Non. Vraiment, l'Amérique, je veux pas me fâcher avec mes amis parce qu'il y en a beaucoup qui vont regarder le live là. Mais comme c'est sous-titré aujourd'hui, ils peuvent savoir ce qu'on dit en français. L'Amérique n'a pas une cuisine formidable. Elle a vraiment pas une cuisine formidable. Vraiment, même quand on va au fin fond de l'Amérique, n'a pas une cuisine formidable. Le burger, quand on enlève le burger ou le mash potato, il n'y a pas grand-chose. Mais pourtant, D'accord. regarde les milliards que les Américains font avec la cuisine dans le monde. Ben, écoute, c'est une question Et d'organisation. je me dis, mais avec tout ce que nous avons comme cuisine, et le nolet, et bref, je ne vais même pas citer, parce qu'il y a tellement de plats. Et je me demande pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à faire de l'argent avec notre gastronomie dans le tourisme là. C'est-à-dire que les gens pourraient se dire, bon voilà, je vais me rendre dans les Grassfields parce qu'avec tout ce qu'il y a comme plat, il y a tellement de variétés, je vais manger vraiment à. Je vais. C'est-à-dire que même si j'y passe 6 mois et que je mange un plat différent par jour, je n'aurai pas fini de manger tout ce qu'il y a à proposer. Mais pourquoi est-ce que Bien cette sûr. gastronomie-là n'émerge pas? Par exemple, on voit ces dernières années, avec toute la publicité qu'on a fait sur le tarot, je peux te dire que le tarot est devenu. Le plat tarot à Washington, D.C., avant, il se vendait à 10 dollars. Aujourd'hui, il est à 20 dollars, on n'en trouve même plus. Je parle du tarot. Moi, Et je dis les qu'on Camerounais. peut. Oui! Et les Camerounais, maintenant, on commence à cultiver le tarot aux États-Unis. On cultive le tarot maintenant en Amérique.
On cultive le taro désormais, c'est que le taro, la racine, ça ne vient plus du Cameroun. On cultive le taro aux États-Unis. Et les Américains cultivent le taro sur des milliers d'hectares et ils approvisionnent les restaurants camerounais qui cultivent le taro. Donc, tout ce qu'ils font venir, c'est l'huile de palme et les condiments déjà mélangés. Donc, le taro aujourd'hui, c'est déjà à 20 $ et on fait même ça dans les sous-sols des maisons aujourd'hui aux États-Unis. Ça veut dire qu'on a une cuisine qui a vocation à s'imposer. Toi qui es un expert du tourisme, pourquoi est-ce que notre cuisine, elle n'arrive pas à, je veux dire, à arriver en surface? C'est ce que je veux dire. Hello, tu m'entends? Oui, je t'entends parfaitement. Oui, on va dire, hein, c'est bon, on est sur la gastronomie, mais tu comprends que à la base de tout, il y a une question de volonté politique. Hein, et c'est pour ça que nous devons sensibiliser dans le travail que nous faisons, nous devons sensibiliser les décideurs locaux. C'est très, 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 très important. Tant qu'ils ne seront pas sensibles à ces choses, tant qu'ils ne prendront pas conscience de ces réalités-là, je crois, comme on dit au quartier, on court dans le sac. Donc, la gastronomie, il faut mettre un accent dessus, il faut travailler là-dessus. Il y a quand même une université à Chang où un département peut être ouvert sur, sur la recherche culinaire. Il y a un gros travail à faire là-dessus. En fait, c'est pour montrer que les chantiers sont très, 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 très grands. On a la question suivante, alors je vais la poster et je la présente. Tu l'as là. Pour que le tourisme soit un pilier du développement local, c'est-à-dire des régions, des communes et des chefferies, il faut qu'il soit inclusif. Hein, tu l'as dit tout à l'heure quand tu parlais de tourisme durable. Cela veut dire qu'il doit profiter aux populations locales, des emplois, des débouchés pour les produits agricoles, l'artisanat. À ce moment, alors, quel est le modèle économique que toi tu proposes pour que le tourisme soit inclusif? C'est vrai que tu as déjà répondu partiellement à la question tout à l'heure quand tu parlais de tourisme durable, mais tu peux répéter pour ceux qui nous regardent. Bah écoute, là je vais répondre très très vite, hein, et même sans hésitation, Élisée. En tant que féru de développement local, je milite à 200% pour la création de clusters pour le développement du tourisme à l'Ouest. Ouais, je vais planter ça rapidement. Je vais partager l'écran. Oui, oui. Je vais montrer ce que je c'est que les clusters. Je milite à 200% pour la création de clusters. Je ne sais pas si tu as fait le partage, ça nous permettra de... J'ai fait le partage là. On y est. Tu as ça à l'écran. C'est à l'écran. Aïe, je t'ai perdu. Un moment, s'il vous plaît. Voilà. Je reviens. J'espère que tu vois. C'est à l'écran. C'est à l'écran. C'est à l'écran. OK. Bon, ce qu'on va dire, hein, moi, je voulais rapidement dire ce que c'est qu'un cluster. Ça peut être appréhendé comme étant un réseau d'entreprises, hein, constitué majoritairement de PME et de TPE, de très petites entreprises, qui sont fortement ancrées localement. Cette notion d'ancrage local est très importante et qui souvent travaillent sur un même créneau de production et souvent dans la même filière. C'est très, très important. Je crois qu'on le voit plus dans l'industrie. Pourquoi pas? Dans le tourisme. Alors, dans le domaine du tourisme, une fois qu'on a vu ce que c'est de façon générale... Ouais, il faut te reprendre un peu, il faut reprendre un peu. Mm-hmm.
Bon, je disais qu'un cluster, c'est un réseau d'entreprises hein, constitué majoritairement de PME et de TPE, de très petites entreprises, fortement ancrées localement. C'est important la notion d'ancrage local quand on parle de cluster. Et ces entreprises sont souvent dans le même champ d'activité. Elles sont dans le même créneau de production et dans la même filière. Alors, pourquoi je parle de cluster de tourisme? Parce que dans le domaine du tourisme, un cluster, il concentre à l'échelle d'une destination touristique les entreprises et acteurs de différentes filières touristiques. C'est-à-dire que si on veut faire un cluster de tourisme dans les Grassfields, on va regrouper dans ce cluster-là tous les acteurs de la filière. Quand je parle des acteurs de la filière, ça serait les hébergeurs, c'est-à-dire tous ceux qui fournissent des prestations d'hébergement. On aura les prestataires d'animation et séjour, c'est-à-dire tous les musées, les cases patrimoniales, les chefferies traditionnelles, tous ceux qui fournissent une animation. Les transporteurs, s'il y a des compagnies aériennes, les autocaristes, les loueurs de voitures, les agences réceptrices, c'est-à-dire que c'est des agences qui vont organiser les séjours à l'ouest. Bref, ce serait de mettre ensemble tous les opérateurs. Allô, c'est bon? Allô? Allô? Ouais, tu es revenu. Tu disais que ce serait de mettre ensemble tous les opérateurs. Allô? Ouais, tu disais que ce serait de mettre ensemble tous les opérateurs. Oui, c'est de mettre ensemble tous les opérateurs de la filière tourisme. Hein. On a parlé des hébergeurs, des transporteurs, les producteurs d'animation, les restaurateurs. Faire un cluster, c'est dans une zone particulière. Par exemple, dans les Grassfields, ce serait de réunir tout ce monde-là et que tout ce monde-là s'accorde sur une vision stratégique. Et il faudrait que cette vision-là soit partagée. Et c'est ensemble que, une fois qu'ils sont tous mis ensemble, qui pourront commencer à évoquer les problématiques liées à la compétitivité dans leur territoire. Je crois beaucoup au cluster. Pour moi, on ne peut pas développer le tourisme dans les Grassfields si on ne passe pas par cette voie-là. Il y a quatre raisons principales qui militent en la mise en place des clusters. On va dire premièrement, hein, du fait même des caractéristiques fondamentales de la chaîne de valeur du tourisme. Je crois que c'est une notion que tu affectionnes particulièrement, celle de la chaîne de valeur. Donc, c'est très important, hein. Une des raisons principales, c'est qu'il faut impérativement penser, garder à l'esprit la notion de chaîne de valeur du tourisme. Pourquoi? Parce que, un, dans cette chaîne de valeur-là, tu as le client, qui doit être considéré comme le centre de toutes les attentions. Après, tu as les activités qu'il faut commencer à normer pour les besoins de qualité. On parlait de rapport qualité-prix tout à l'heure. Tant qu'on ne normalise pas, il n'y a pas de gain en termes de qualité et ce n'est même pas la peine de continuer. Après, il y a des besoins de capitaux importants. Dans un cluster, à partir du moment où ces besoins-là sont identifiés, je crois que réunir les moyens qu'il faut pour le développement devient moins compliqué. Et puis, il y a une obligation d'innovation permanente. Et c'est pour ça que je faisais allusion, par exemple, quand on a évoqué la question de gastronomie, au pôle universitaire, qu'est l'université de Tchamp. L'université doit pouvoir se faire à partir d'un pôle comme celui-là, où il pose les problématiques et trouve les solutions, propose des solutions qui sont en rapport avec les réalités du terrain et avait les moyens effectifs à disposition. Donc, la deuxième raison pour laquelle moi je milite pour une clusterisation du tourisme dans le cadre du développement du tourisme,
c'est qu'il faut garder le client comme acteur principal de la construction du produit qu'il va consommer. À partir du moment où le client, des gens, par exemple aux États-Unis, vous allez parler des grassfields, les gens vont prendre conscience de ce qu'il y a aux grassfields, vont se renseigner sur ce qu'il y a dans les grassfields et pourront peut-être orienter le sens du développement. Donc, il faut être attentif à cela. Après, il y a des entreprises qui sont essentiellement des PME et des TPE. Quand on regarde bien, quand tu regardes les établissements hôteliers dans les grassfields, c'est des petits établissements hôteliers. On va dire que la taille moyenne des établissements dans les grassfields, c'est 25 chambres. C'est des petites unités, on en convient. Donc, c'est des petites entreprises. Quand Exact. tu prends les restaurants, c'est des petites unités, c'est des très petites entreprises. Parfois, c'est souvent même des gestions familiales. Exact. Donc, quand on prend en compte ceci, on comprend que par rapport à les tailles même des opérateurs de la filière conditionnent ou bien incitent même à la mise en place des clusters parce que ils sont petits, ces opérateurs, ils se mettent ensemble, ils mutualisent les moyens derrière une vision commune, et Exact. puis voilà, le développement se Ils fait maîtrisent à la partir chaîne du de moment où valeur. Ils maîtrisent la chaîne de valeur et réalisent des économies d'échelle. C'est très important. des économies de fonds. Ouais. C'est très, très important. En réalité, Ce ne sera plus, je n'ai pas je sais pas, l'impression. l'hôtel X qui va communiquer, mais Starbucks. c'est le cluster qui communique au bénéfice de Voilà, tous les acteurs. Starbucks est un cluster. Et pourtant, Starbucks est un cluster qui s'est bâti sur du café. Et Starbucks aujourd'hui est une entreprise qui pèse plus que Coca-Cola dans le monde. C'est un cluster. Bien sûr. Voilà. Je dis ça pour les gens qui nous regardent. McDonald's est un cluster, en fait, hein? Mais qui s'est Ouais, bâti sur ouais, ouais. du burger. C'est une fédération de près de 30 000 PME, de petites entreprises, mais qui se sont mises ensemble et elles imposent leur logique dans le monde. Elles peuvent sponsoriser la Coupe du Monde, elles peuvent sponsoriser tout ce que tu veux et elles peuvent faire trembler les gens en bourse. En fait, c'est un cluster. C'est très important, hein, vraiment, ce que tu dis là. Et je te remercie beaucoup d'avoir amené cela à... Parce que chez nous, les gens pensent toujours que pour réussir, il faut être individuel, chacun dans son coin, alors qu'ils oublient que quand ils se mettent ensemble, ils maîtrisent la chaîne de valeur, c'est-à-dire qu'ils contrôlent l'argent qui circule dans le business. Ce n'est pas que quand il y a 100 francs, eux, ils ont 5 francs, mais quand il y a 100 francs, ils ont Oui. 95 francs dans l'argent. L'argent reste local. Et deuxièmement, ils réalisent des économies d'échelle sur les Tout à achats, sur les, etc., etc. C'est important, vraiment, merci. Non, non, vas-y, continue, s'il te plaît. Je t'ai interrompu un peu, je m'en excuse. Non, je crois qu'à la réalité, c'est avec le petit développement que tu viens de faire, il n'y a plus grand chose à dire sur le cluster. Le principe à retenir, moi, ce que je suggère, c'est de clusteriser. Bon, maintenant, la clusterisation, il y a nécessairement des choses à faire avant. Il y a des prérequis qui sont nécessaires. Hein. On va les citer un peu rapidement. Je crois que tu as posté la diapositive. Il ne faut pas avancer à l'aveuglette. Pour ça, il faut une vision et il faut des objectifs. Et surtout, il faut que ces objectifs-là soient partagés. C'est-à-dire qu'il faut que tout le monde adhère à la vision, que tout le monde partage les objectifs pour que cela fasse du sens. Deuxièmement, dans un cluster, il y a toujours des majors, hein. Et puis, l'organisation, donc, le cluster doit pouvoir s'appuyer sur les majors au niveau local. N'importe comment, il y a toujours des entités qui ont le devoir de tirer les autres vers le haut. C'est très, très, très important. Et puis après, il faut qu'on inclue, qu'on insère dans la façon de faire, dans la façon de penser, la notion de projet. Tu sais, tout ce qu'il y a derrière un projet, entre la conception, la maturation, l'implémentation, les évaluations, les corrections, etc., etc. Il faut mettre cette culture-là en branle. Après, il y a des responsabilités qui sont de divers niveaux. Il y a des responsabilités dans le cadre d'un cluster qui relèvent, par exemple, des corps de métier. On va dire que dans notre cluster, il y a un groupe qui s'occupe, par exemple, de la restauration. Elles ont des responsabilités. Dans le cluster, il y a un autre niveau de responsabilité qui appartient aux décideurs locaux. Parce que c'est les décideurs locaux qui peuvent faire du lobbying, qui peuvent accompagner des actions, par exemple, dans la recherche de financement, etc., etc. Et puis, on va dire qu'il y a dans le cluster,
C'est un organisme d'appui aussi. Il nous faut un organisme d'appui qui va assurer pour les besoins en fonds de roulement financier. Exact. En fait, il faut une organisation au-dessus. Les acteurs font leur travail, mais après, il y a un travail de coordination qu'il faut. Il y a Exact. beaucoup d'ingénierie à déployer pour aller chercher des financements. On a Oui. parlé des normes tout à l'heure. Il y a une ingénierie qui doit pouvoir travailler pour normaliser. Donc, c'est un vaste chantier, Élisée. Vraiment, vraiment un vaste chantier. Je te coupe Peut-être pas. que, Je à l'occasion d'un autre entretien, si tu le permets, je peux travailler entièrement un thème sur 1 heure ou 2 sur la La question des clusters. clusterisation. Parce que je te coupe pas. Je te coupe pas. On peut Regarde. faire un cas pratique. Voilà. On peut. Starbucks, par exemple. Starbucks a du cash qui dort, c'est-à-dire qu'il n'utilise pas. Du cash qu'il n'utilise pas du tout. D'un montant de 30 milliards de dollars. Ça veut dire 15 000 milliards. La moitié du PIB du Cameroun. À partir du moment où tu clusterises, c'est toi-même qui autofinances le besoin en fonds de roulement, le working capital. Pourquoi? Bien Parce sûr. que tu as 90% de la chaîne de valeur, dont tout l'argent qui circule, tu attrapes ça à tous les niveaux. Donc ça revient et ça reste en réserve. Mais à partir du moment où tu vous évoluez tout seul individuellement, mais vous faites manger à gauche, à droite, et l'argent que génère le business, vous avez autour 20%, donc vous avez constamment des besoins en fonds de roulement. La question, Élisée, et c'est ce qui est dommage. C'est que les opérateurs n'ont pas conscience de ce qu'ils pèsent. Faisons une analyse sommaire. On va dire, on va compter dans tous les Grassfields 100 établissements d'hébergement. D'accord? On va donner un chiffre comme ça, là. On va dire, sur 100 établissements d'hébergement, on a, mettons, 2000 chambres. Exact. OK? Exact. On va dire que sur 2000 chambres, si nous prenons une moyenne locale, on va dire qu'il y a un taux d'occupation annuel de mettons, 40%. Quand tu fais 40% de 2000, on est à quoi? On est pratiquement à 800. 800, c'est ça, non? Exact. Et c'est compiler un peu le chiffre d'affaires que simplement les structures d'hébergement au niveau local peuvent générer. Financièrement, ça commence à être important quand tu compiles tout ça. Fais le même travail sur la filière restauration. Tu fais le même travail sur la filière transport. Donc, quand tu mets tous ces acteurs ensemble et tu compiles ce que ça représente en termes de revenus, c'est faramineux. Exact, Donc, exact, si tu as un exact. organisme qui est Voilà structuré, ce que j'aime entendre. J'aime qui... entendre. I like that. I like that one. I like that one. Donc, quand tu commences à mettre ensemble tous ces éléments, tu réalises qu'à la réalité, on fait le plus difficile. On Exact. réussit à ne pas développer, malgré le fait qu'à la limite, même le problème, ce n'est pas tant que ça un problème de ressources. Non, c'est un problème d'optimisation, c'est un Exact. problème de vision. Exact. Il faut mettre en place Exact. une véritable stratégie de développement. Exact. Exact. Oh, merci beaucoup. Là, tu as fait ma journée. Tu as fait ma journée. Bon, je vais reposter le dernier sur la clusterisation. Là, je pose la question, mais pendant que tu vas répondre aux autres questions, je vais garder le dernier point, la clusterisation, là, pour que les gens puissent regarder. Donc, je prends la question. Voilà, c'est la huitième. Voilà, ça va bien aller. La poste. Voilà. Et je la montre. Voilà. Serge Evenyonga, nous parlons des infrastructures d'accueil et d'hébergement, puis de la formation professionnelle des travailleurs du secteur du tourisme. Les tours opérateurs se plaignent souvent que nos hôtels et restaurants ne sont pas aux normes et standards internationaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelles sont les causes? Et comment est-ce que les entreprises... Tu as déjà répondu, hein, mais tu peux toujours répéter vraiment. Parce que moi, j'ai déjà, avec un expert, j'ai déjà compris.
Et comme j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas simplement une question liée au gasfield, c'est même une question, c'est une question globale. Et là, c'est suffisamment grave ce que je veux dire, mais c'est un propos que j'assume tout à fait. Nous avons mal à nos institutions du tourisme officiel, parce que c'est elles qui doivent développer, qui doivent définir la politique de développement. Restons sur ce qu'on appelle infrastructure. Allô, tu m'entends? Ouais, je t'entends bien, comment? Je t'entends bien. Oui, restons un peu sur les infrastructures d'accueil et d'hébergement, c'est-à-dire que les hôtels, etc., etc. Nous avons un gros problème de classification. Au niveau du Cameroun, nous avons un très, très gros problème de classification. Quand tu vas au Hilton à Yaoundé et que tu vas à un des Hilton de Djobourg ou bien à un à Abuja, c'est le jour et la nuit. Exact. C'est le jour et la nuit. Nous avons un problème avec nos normes nationales. Dans un pays comme le Cameroun, quand tu prends un établissement hôtelier comme Ibis Hotel, Ibis Hotel au Cameroun, dans la perception, c'est un hôtel de luxe. Ça pose un problème. Ça pose un véritable problème. Comment est-ce qu'on définit la classification au Cameroun? Où en sommes-nous avec les normes? Voilà un problème quand on parle de... Et c'est pour ça que je parlais de rapport qualité-prix tout à l'heure. Aux États-Unis, quand tu vas... Le motel, c'est quoi? C'est Motorway Hotel, c'est-à-dire que c'est l'établissement d'hébergement que tu vas trouver sur les grands axes. Ici, chez nous, tu vas trouver en plein centre-ville un établissement, on va mettre dessus motel. Et ça ne choque personne. Exact. Donc, nous avons un sérieux problème avec nos normes. Nous avons un problème avec nos standards. Et pour ramener ça au Grassfield, quand les Grassfield vont mettre en place une vraie stratégie et vont avoir comme acteur technique un véritable office de tourisme avec plusieurs démembrements, les Grassfield pourront prendre sur eux de définir des normes locales, différentes des normes nationales. C'est-à-dire que si je donne un truc comme ça, stupide, la norme nationale peut dire par exemple que l'hôtel X est 4 étoiles. Les Grassfield, parce ils sont exigeants, disent que non, pour nous, le 4 étoiles, c'est tant. Ils vont dire qu'au niveau du Grassfield, dans la norme Grassfield, cet établissement-là est plutôt 2 étoiles. OK? Donc, il y a un travail de normalisation à faire. Et la qualité ne peut pas grandir tant qu'on n'a pas travaillé, on n'a pas fait de normalisation. Maintenant, c'est comme pour tout, hein. On va dire que c'est une tâche ardue, il y a beaucoup, beaucoup de travail à faire, et puis voilà. Nous devons, de toutes les façons, pour pouvoir être une destination, pour pouvoir avoir la prétention d'accueillir des visiteurs qui viennent de l'étranger, il y a un travail d'amélioration de la qualité qui doit être fait, et c'est même un impératif. On n'a pas le choix, il faut le faire. J'allais rajouter en te posant une autre question, s'il te plaît. Permets que je la Oui. pose. Moi, je sais pas pourquoi on puisse taper les standards. Bon, l'école française ou francophone, on passe par une école, on se forme et puis on sort. Moi, j'ai été impressionné aux États-Unis parce que quand je suis arrivé, j'ai commencé ma carrière dans un 5 étoiles. Et j'ai vu comment ils procèdent les Américains. Ils font des formations, c'est-à-dire que chaque shift commence par ce qu'on appelle un pré-shift de 30 minutes. Et le pré-shift de 30 minutes, c'est une séance de formation pratique. Théorique, 10 minutes, c'est-à-dire que bon, le gars, il introduit le shift, il dit voilà, hier, voilà ce qu'on a fait, parce qu'ils ont le logiciel qui les donne tout, qui donne tous les chiffres. Il dit voilà, hier, ce qu'on a fait en termes d'accueil, voilà ce qu'on a fait en termes de sales score, voilà comment les clients nous ont le rating des clients. Et puis il dit, bon, voilà, aujourd'hui, je vais parler de, par exemple, cleanliness. Il dit, voilà, cleanliness est temps, il explique, il donne des exemples. Et là où le pré-shift a lieu, c'est toujours dans un espace qui correspond à une suite. Ça veut dire que le pré-shift n'a pas lieu dans une salle ordinaire, non. C'est dans une suite. Ça veut dire que quand il parle, il y a un lit à côté, il y a une table, il y a un verre, il y a tout, c'est dans une suite.
Et donc, il prend des exemples, et il a un écran, il a... Ah, je vais revenir. Il va revenir. Ne vous inquiétez pas un instant, s'il vous plaît. Voilà, je vais là, je l'ajoute. Voilà, tu es là. Ouais, tu es là. Oui. Bon, là, je ne sais pas. Bien, bien suivi la question. Oui, je disais que. Tu parlais ici, des normes. Oui, des normes. Ouais. Ici, il procède à la formation sur place. Mais les programmes de formation sont conçus et financés par l'État. Est-ce que un tel modèle, par exemple, si l'Office du tourisme au local, dans les grasses villes, adoptait ça, ça ne pourrait pas aider à améliorer les standards? Non, ce que je veux dire, bon, je sais pas, ça se coupe un peu. À un moment donné, il faut prendre le taureau par les cornes. À un moment donné, il faut que les gens prennent leurs responsabilités. Si dans une aire géographique qui est où tu as des décideurs qui sont conscients de la nécessité qu'il y a de faire les choses comme elles se font, elles sont capables au niveau local d'implémenter des dynamiques qui font en sorte que, par exemple, dans le domaine du tourisme, dans le domaine hôtelier en particulier, qu'il y ait un bon qualitatif. Et ça ne peut se faire que s'ils prennent sur eux d'aller chercher ce qui se fait d'excellent et de l'appliquer chez eux. C'est très important. Restons sur les hébergements. Comment est-ce que ça se fait dans les pays à tradition touristique? Il y a une norme internationale et maintenant les gens l'adaptent aux traits de leur culture, mais en gardant ce qui est le socle du classement. Ce n'est pas parce que les gens vont aller dans un lodge au Kenya où ça a l'apparence d'une hutte qu'ils n'auront pas le confort. Non. OK? On s'arrangera à ce que... Et puis, il y a des critères objectifs. Après, à côté de ces critères objectifs, il y a des critères subjectifs. C'est quand on met tout ça ensemble qu'on réussit à avoir quelque chose de haute facture, de qualité. Je dis des choses comme ça de façon. Peut-être qu'il faudrait aussi qu'on réfléchisse à l'éventualité de faire une session spéciale hôtellerie pour relever un peu. C'est très important que les gens, même qui sont déjà dans l'activité, mais qui sont rentrés parce que c'était une opportunité d'affaires, comprennent les subtilités de cette chose-là. Pour définir la catégorie d'un établissement hôtelier, il y a des critères objectifs. Pour une chambre, on va dire qu'il faut tel nombre de mètres carrés. Yeah, okay. On va dire que comme il faut que qu'il y ait un lit qui ait cette taille, il faut qu'il y ait par exemple de l'eau chaude, il faut blablabla. Maintenant, à côté de ça, il y a des critères subjectifs et c'est dans ces critères subjectifs qu'on puise pour pouvoir dire que cet établissement dépasse tel autre. Ce sera par exemple la qualité du matelas que vous avez mis sur le lit. Ce sera la luminosité. Ce sera par exemple la qualité de l'oreiller. Est-ce que c'est un oreiller de plume? Est-ce que c'est un oreiller de mousse? Donc, vraiment, quand je dis aux gens qu'il y a 137 points de contrôle dans une chambre, ben oui. Alors, quand on commence à regarder à tout ça, on peut affiner la qualité. Mais est-ce que nous sommes dans un système où, est-ce qu'au Cameroun aujourd'hui, on est regardant sur ces choses-là? Malheureusement, non. Et ça nous joue des tours. Si nous avons un très mauvais rapport qualité-prix, c'est parce que nous ne sommes pas attentifs à toutes ces choses-là. Pour développer donc le tourisme dans les Grassfields, il faudrait qu'on soit méticuleux, qu'on commence à regarder à tous ces détails-là. C'est très, très important. Exact, tout à fait. Et tant que les acteurs locaux, que sont les investisseurs et puis les décideurs, ne se saisissent pas de ces problématiques-là, le développement ne sera qu'une notion qu'on évoque comme ça. Hein. Voilà, évoque comme ça. Je passe à la question suivante, hein. Je la pose là, tu l'as là. Les modèles d'hébergement du genre Airbnb, qu'est-ce que tu en penses?
parce que c'est des modèles alternatifs. Est-ce que ça peut prospérer? Est-ce que ça peut être une solution? Oui, ça peut être une très, très belle solution. Et à la réalité, quand on veut se positionner sur des niches ou bien des segments comme le tourisme culturel, il faut impérativement valoriser ça. Parce que rien, vous ne vendez pas votre culture en tenant les gens à distance. C'est ça. Il faut donc développer ce modèle-là. Les Latins l'appellent le logement chez l'habitant. C'est-à-dire que vous avez le chez vous. Vous avez une chambre d'hôte, vous avez une chambre que vous dédiez aux visiteurs de passage. C'est un double avantage, c'est qu'il apprend à vous connaître, à connaître vos traits culturels, et puis ça vous permet d'arrondir vos fins de mois. Élisée, Exact. dans le cadre de la CAN qui arrive là, est-ce que tu imagines que les particuliers que, mettons, Bafoussam va abriter une poule. Est-ce que tu imagines une seule seconde que 1 000 habitants avaient mis à disposition chacun une chambre pour des gens qui viendraient voir des matchs de la CAN? Exactement. Moi, je n'aurais pas eu de problème de capacité d'accueil. Et en Exact. termes de revenus potentiels pour les familles, ça aurait Exact. été extraordinaire. Et Exact. ils auraient vendu aux visiteurs étrangers qui viennent la convivialité, ils leur auraient offert de connaître, de rentrer en immersion dans ce que la tradition des grâces a de fort. Exact. Donc, j'aime bien que c'est abordé cette approche-là, mais Exact. ça aussi, c'est une question de dire, il faut aussi normer. On va Exact. dire, pour que tu aies la possibilité de le faire, il faut que la chambre soit comme ça, il faut qu'il y ait ça, il faut qu'il y ait ça, il faut qu'il y ait ça. Bon, on revient toujours à la même chose, il faut beaucoup de choses. Ouais, exact. Mais c'est une ligne qu'il faut suivre. Exact. Je passe à la question suivante. C'est sur le Nigeria. Le Nigeria a avec nous, avec les Grassfields, donc avec le Cameroun aussi, une très grande frontière, une large frontière. Une classe moyenne de 60 millions de consommateurs. Alors, si nous voulons développer le tourisme culturel, même le tourisme, est-ce qu'on peut faire sans le Nigeria? Je ne voudrais pas qu'on dise qu'on peut faire sans le Nigeria ou qu'on ne peut pas faire sans le Nigeria. Il faut simplement qu'on intériorise, qu'on intègre le fait que c'est un très, très beau marché pour nous. C'est un marché de proximité, mais il faut qu'il y ait des voies de communication. Il faut qu'on multiplie les routes. Il faut qu'il y ait des liaisons aériennes entre les Grassfields et le Nigeria. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait. Pourquoi ne pas envisager une compagnie aérienne locale Local. J'avais avec des pas vu liaisons? ça. Non, c'est faisable. C'est faisable. C'est faisable. C'est faisable. Et vraiment, Pourquoi pas mettre. je veux pas dire, c'est-à-dire que les avions aujourd'hui dans le monde de l'aéronautique aux États-Unis, je peux acheter un avion à n'importe quel moment. Et les avions, et je te dis pas, on a accès à des sites privés, bon, il faut avoir le login. Avoir un avion aujourd'hui, c'est rien. C'est-à-dire un sans place. Un sans Mais place. tu sais, n'est-ce pas? Moi, Oui. ce qui est, les gens Parce vont qu'un niaiser. seul C'est pour sans ça qu'il place faut quand même qui ferait, un sans place qui ferait Bamenda, Bafoussam, Lagos, Enugu, etc. Parce que les Nigériens, il y a beaucoup d'aéroports dans tous les états là. Bien Ça ferait sûr, le tour. Oui. bien sûr. Ça ferait le tour. Ça décoller, atterrir, faire. Mais ce n'est pas pour te couper, je reprends celui du Cross River State au Nigeria. Ils ont une compagnie aérienne Aérienne, qui a tout à été. fait. C'est une locale, oui. Il faut que nous arrêtions d'être timorés. C'est-à-dire que, et on ne va pas me dire que ce sont les moyens qui manquent. À la réalité, les opérateurs économiques des Grassfields peuvent se mettre ensemble, faire des joint ventures avec l'étranger Les pour faire Nigériens. voler des armes. Exact. Volonté politique, vision, stratégie, c'est tout. 5 Et milliards ça de ne francs, s'applique pas simplement. 5 milliards de francs, ils ont 6 avions qui volent en leasing.
avec option d'achat. 5 milliards, ils ont 6 avions de 100 places. Ça fait 600 places. Et quand on regarde, j'ai fait un peu la ceinture, c'est-à-dire que le sud-ouest et est du Nigeria et les Grassfields, quand on regarde dans cette zone-là, il y a à peu près une vingtaine d'aéroports. Si on viabilise tout ce qu'il y a, possibilité d'atterrissage, il y a à peu près une vingtaine. Ça veut dire que 5 avions, ça peut voler, décoller et tourner là correctement. Ça, je veux dire, Élisée, toi, tu vas même, restons dans le transport aérien, toi, tu es en train d'aller au Nigeria. Il y a combien de bus entre Yaoundé et Bafoussam chaque jour? Entre Douala et Bafoussam chaque jour? Voilà. Il y a combien de personnes qui viennent du Grand Nord ou l'Ouest chaque jour? Chaque jour. En passant par Bagno, Fumban. Posons-nous les bonnes questions. Je voudrais qu'on me prouve aujourd'hui que ce ne serait pas viable d'avoir une compagnie aérienne locale. Exact. Je voudrais qu'on me le prouve. Exact. Les besoins sont énormes. Exact. Les besoins sont énormes. Nous sommes... Le Cameroun, c'est pratiquement 30 millions d'habitants. On va nous dire qu'il n'y a pas de besoin en termes de transport aérien au niveau local. Exact. Si je veux partir de Bafoussam aujourd'hui et que j'ai envie de me rendre à Manfé, mon Dieu, vous voyez la truc qu'il y a à faire. Oui, toute la galère qu'il y a. Un avion, c'est 1h30 de vol, on a réglé plein de problèmes. Exact. Et quand on me parle de remplissage de ces avions-là, non. Non. Le Nigeria a une classe moyenne de 60 millions de consommateurs. 60 millions, ce sont les statistiques des opérateurs de téléphonie nigériens avec la Banque mondiale. 60 millions, avec 5 avions, tu n'as pas transporté 1 million de personnes par an. Parce que si les 5 avions volent 200 jours dans l'année, parce que le reste du temps, 250 jours dans l'année, ça veut dire que ça fait environ, je sais pas moi, 5000 voyages. 5000 voyages, 100 avions, ça fait 500 000, tu n'as même pas transporté 1 million de personnes. Ils ont seulement le Nigeria, 60 millions. Tu n'as même pas transporté 1 million de personnes. C'est énorme, c'est énorme. Hein? Hein? 5 avions, hein? C'est une compagnie aérienne de 100 places. Tu n'as pas transporté 1 million de passagers dans l'année. Tu es au maximum à 500 000. Et il y a 60 millions. 60 millions, ça veut dire que le gars, il peut avoir la réservation principalement le Grassfield Lagos. Je ne parle même pas des États, comme tu as dit, Cross River, il y a Ngombe, Akwa Ibom, tous ces États-là, et tout, et tout, et tout. Ouais. Parce que Ngombe a plusieurs aéroports, Akwa Ibom a plusieurs aéroports, Calabar a plusieurs aéroports, etc. Tous ces États-là, Benoué, Adamawa, tous ces États-là ont leur aéroport. Une compagnie aérienne, même à 10 avions, elle n'a que 1 million de passagers. Elle n'a même pas fini. Alors, moi, je crois qu'il faudrait peut-être qu'on fasse une autre session comme celle-ci où on s'intéresse purement aux questions. Et comment à ça? On aligne. Peut-être que les gens comprendront dans la pertinence qu'il y a à investir dans ce domaine. Moi, on revient en chiffres. Quand on dit une personne sur 10 dans le monde travaille dans tout ce qui touche de près ou de loin au tourisme, c'est un gros indicateur. Exact. Un très gros indicateur. Exact. Donc, vraiment, regardons à ça, creusons, essayons d'édifier un peu plus les gens et puis bon, on aura fait notre part du job. Exact. Je pose la question suivante. Est-ce qu'il y a une question, un aspect du tourisme qui te tient à cœur, dont tu souhaitais qu'on parle et dont nous avons oublié? Oh, pas particulièrement. Bon, je suis très, très proche des problématiques de formation aussi. Hein. Je crois que il est très, très important qu'on forme et qu'on forme de bien belle manière, qu'on forme avec orthodoxie dans les domaines du tourisme chez nous. Ce n'est pas propre au Grassfield. Il n'y a pas de développement sans ressources humaines compétentes. Donc, ça me tient particulièrement à cœur. Et je le dis comme ça, je travaille sur un projet de formation. Donc, voilà.
Ok. C'est important, hein? Il faudrait que parce que beaucoup de maires, je dis ça parce que il y a après le direct, quand on va mettre sur YouTube, on va poster ça dans le groupe WhatsApp des maires, des associations des maires de communes de l'Ouest, de Nord-Ouest, de tout ça là. Et d'autres décideurs, des fonctionnaires locaux. Il dit ça comme ça, voilà, ton nom est marqué bien, c'est Serge Evenyonga. Ils peuvent te retrouver sur Facebook, ils peuvent t'écrire par Messenger, ils peuvent me demander aussi ton contact, WhatsApp, d'autres. Mais je vais leur donner. S'il y en a, parce que il y a une initiative qui avait été lancée qui s'appelle Route des Chefferies. Et beaucoup de maires commencent à prendre conscience, commencent à créer des offices du tourisme. Beaucoup de gens commencent à construire des musées. Donc, ils ont besoin des gens pour les former dans tout ce qui est les métiers du tourisme. D'animer des séminaires pour, voilà, former le personnel même administratif dans les unités administratives qui sont les villes, les arrondissements, tout ça. Donc, s'ils ont besoin de ton contact et tout, ils peuvent se rabattre vers moi ou bien ils peuvent te retrouver via ta page Facebook. Hein, j'insiste bien dessus parce que en 2 heures, on ne peut pas dérouler toute l'expertise ici. Mais si vous avez besoin du contact de Serge Avenyonga, voilà, vous pouvez. Laborieux aujourd'hui, hein. Mais bon, j'espère Ouais, que on a la l'essentiel a été. dernière question. On a la dernière question. L'essentiel, c'est qu'on arrive. L'essentiel, c'est qu'on arrive. Voilà, c'est la dernière. Voilà, la dernière. Ton agenda dans les semaines qui viennent. Et vraiment, je te remercie. Et j'espère que tu reviendras pour qu'on parle des clusters et de comment on fait pour pouvoir connecter le marché des grasses huiles avec le Nigeria. C'est important. Ben, écoute, c'est moi qui te remercie, hein, pour l'invitation. C'est toujours un plaisir je suis très régulièrement tes lives. Ils édifient. Et je suis heureux que tu aies pensé à moi pour ouvrir un pan sur une Tu es thématique. modeste là, tu es modeste, tu es modeste. Tu Ah, es modeste, toi. mon agenda, je l'ai évoqué un peu tout à l'heure. Je travaille sur un projet de formation. Hein. L'idée, c'est de mettre en place un institut international de l'hôtellerie et du tourisme avec deux écoles, une école hôtelière et une école du tourisme. Bon, ça, donc, je crois que la prochaine fois, je rentrerai un peu dans les détails. Je suis sur ce projet avec un ami qui était, je veux dire, c'était notre aîné au lycée hôtelier à Toulouse. Quand j'arrivais au lycée, lui, il en sortait et il a décidé de rentrer au Cameroun. Donc, nous travaillons là-dessus. Et je suis en train de densifier un peu le contenu des offres à faire aux collectivités décentralisées dans les problématiques de formation de personnels municipaux, dans la formulation de protocoles d'inventaire de l'existant, etc., etc. Donc, à la réalité, c'est un travail de back-office, mais bon. Exact. Exact. Hey, non, pourquoi il fait ça? Attends, ça va revenir. Un instant, s'il vous plaît, ça va revenir là. Et Serge va revenir pour la conclusion. Voilà, je te Bon, je crois qu'on remercie est déjà vraiment. aux 10 millions de francs. Ouais, je t'ai dit, mais c'est pas grave. Le contenu, je te remercie vraiment. Avec ta permission, je peux donner le PowerPoint à ceux qui en font la demande. Pardon? Avec ta permission, je peux donner le PowerPoint à ceux qui en font la demande. Oui, bien évidemment. Encore que, on peut élaborer quelque chose de beaucoup plus consistant. Celui-là, je l'ai fait rapidement pour les besoins de la présentation. Je peux faire un PowerPoint que je t'envoie, après tu le partages. Je n'ai pas de problème avec ça. Le partage, le savoir, il faut le partager. On peut Exact. prendre rendez-vous dans quelques jours. Je t'envoie sur ce thème-là, vraiment la présentation en PowerPoint. Et puis on la diffuse. J'ai aucun problème avec ça. Aucun, aucun.
D'accord. Je reste dans l'attente. Vraiment, Serge, je te remercie énormément. Je n'ai pas assez Mais de moi, je mots dis. pour te remercier. Oh non. Je n'ai pas assez de mots pour te remercier. Tu sais, on n'a pas eu le temps parce qu'on est parfois un peu coupé, mais j'ai l'oreille d'un technicien. Quand tu parles des clusters, là, moi, j'ai l'oreille, là, j'entends. Parce que bon, il y a beaucoup de profanes là, ils comprennent pas, ils peuvent pas vite comprendre. Sûrement qu'il faudra qu'on revienne. Moi, ce que je te propose, quand on pourra, qu'on revienne pour parler que de ça. Que de ça. D'accord, Ouais, que de d'accord, ça. d'accord. Les aspects marketing, financier, supply chain, pour qu'ils comprennent bien de quoi on parle. Ouais, c'est que. On vient, on prend le marketing. Qu'est-ce qu'ils vont gagner en termes de marketing, en termes de communication, en termes de supply chain, en termes de trésorerie, en termes de, etc., etc. Qu'ils comprennent ça bien. Si possible, on insère des vidéos pour qu'ils comprennent bien. Et comme c'est mesurable, c'est très important. Oui. C'est-à-dire qu'on peut, c'est mesurable. Donc, vraiment, je suis partant. Quand tu es prêt pour ça, on va le faire. D'accord. Merci beaucoup. Ciao, merci beaucoup. Franchement, je te remercie. Mesdames, messieurs, voilà, on arrive à la fin de notre entretien. Voilà, nous avons reçu vraiment Serge Hervé Nyonga qui nous a éclairé suffisamment sur les questions de tourisme. Je le remercie énormément. C'était vraiment quelque chose de super. Vous avez appris, comme moi, beaucoup de choses, beaucoup de matériel. Vous pouvez revoir la présentation. Elle sera disponible sur toutes les plateformes habituelles. Et je les reposterai en version YouTube vidéo pour ceux qui veulent le regarder sur ce format-là. Vous pouvez la regarder sur ici, c'est Marc. Et comme il a dit lui-même, le PowerPoint sera disponible pour tous ceux qui en font la demande. Et ce sera, vous pourrez l'utiliser. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes là qui ne peuvent pas entrer dans le direct, qui sont des responsables, qui aimeraient avoir ça pour pouvoir travailler. Et aussi, il a une page YouTube connue, son nom était affiché, donc vous pouvez aller sur sa page YouTube, vous lui écrivez par Messenger si vous avez envie d'entrer en contact avec lui pour des choses plus privées. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie ceux qui sont restés longtemps suivre le live, 2 heures pratiquement, tous ceux qui ont partagé. Et je vous souhaite de passer une bonne semaine. La semaine prochaine, j'espère, s'il n'y a pas de souci, on retrouvera Christelle Wanji et on parlera de son ONG et des actions de développement qu'elle pose dans les territoires de Grasset. Merci et je vous souhaite de passer une bonne semaine. Bye.